m'appelle Mathieu Allard, j'ai 28 ans, j'ai un bac en informatique de gestion et je suis directeur général et cofondateur d'Agendrix. Chez Agendrix, on développe un logiciel de gestion d'employés qui aide les entreprises à simplifier la planification des horaires, le suivi des feuilles de temps et la communication. Mon parcours d'entrepreneur a commencé relativement jeune, à 15-16 ans, chez mes parents. Je développais déjà des sites web pour des clients un petit peu partout dans le monde. Mes deux premiers projets ont connu des échecs. Mon troisième était une agence de développement d'applications. C'est avec ce projet-là qu'on a rencontré un homme d'affaires de la région de Sherbrooke qui s'appelle André Gauthier. Puis qu'en 2015, on a décidé de fusionner nos entreprises puis de créer Agendrix qu'on connaît aujourd'hui. L'idée initiale avec la SET, c'était aller chercher du mentorat parce qu'on avait beaucoup de connaissances en informatique, mais très peu d'expérience en affaires. Une des forces de la SET, c'est qu'ils ont cru en l'équipe qu'on était au travers de nos différents projets. Quand on est arrivé avec Agendrix, ils ont embarqué dans l'aventure tout de suite. La SET ont participé à notre première ronde de financement, puis nous ont aidés dans notre parcours pour l'obtention de subventions ou de prix avantageux pour l'entreprise. Agendrix, aujourd'hui, on est une équipe de 18 employés qui travaillent à chaque jour au développement de notre logiciel. Qui est au service de plus de 65 000 utilisateurs, principalement au Québec, mais aussi en Europe. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants, c'est le même que M. Laurent Beaudoin m'avait donné à ma première présentation à la SET, c'est de garder les choses simples. Donc, que ce soit votre produit, vos interfaces, votre modèle d'affaires, gardez les choses simples. Vous pouvez régler un problème complexe, mais une fois dans les mains de vos utilisateurs, il faut que ça soit simple.